Salut à tous les amis, c'est Gentil Boy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme dit j'avais... J'ai une blague. Ouais, nous sommes toujours sur quoi donc, épisode 3. Quoi? Et pour ce début d'épisode, c'est pareil, fais ta blague. Parce que t'as pas remarqué mais on tourne. Ah merde, on tourne. Merde. Ouais. Mais fais ta donc, blague. Je disais. Tu sais comment faire maigrir 200 kilos Bulma? Non. Tu lui enlèves son maquillage. Lol. C'est très drôle. Ça m'amuse. J'en ai une autre. Ouais, donc là nous sommes sur les chantiers du coup. J'en ai une autre, ferme ta gueule. J'en ai une autre, non, ferme ta gueule. Bah, c'est la fin du monde et il y a Bou, il y a Kid Buu qui devient tellement puissant qu'il va détruire l'univers. Là, il y a Goku, Vegeta et Bou gentil qui sont téléportés sur Namek. Ouais. Bah, il y a à ce moment, il y a le dragon de Namek qui apparaît et leur dit: vous avez le droit à 3 souhaits. Vegeta il dit: ramène-moi Vegeta. Ramène-moi sur la planète Vegeta une dernière fois avec ma famille. Sangoku il dit: envoie-moi dans le meilleur restaurant de la Terre que je puisse manger. Et Kid Buu, ouais. Il dit: ben je m'ennuie, c'est mes amis, ramène-les-moi. Le salaud. C'était nul. Ah mais carrément, ouais. Et du coup. Ouais. Mais est-ce que tu aurais pas pu me prévenir avant de tourner ce Mais j'ai prévenu, j'ai dit: les mecs, on va tourner. J'ai dit ça sur le chat, j'ai dit ça sur Skype, j'ai dit ça en vocal. Le mec, il a pas écouté. C'est juste toi. Ah, mais non, j'étais trop occupé à lire mes blagues de merde. Ouais, mais faut écouter la prochaine fois, voilà. Ouais, donc du coup, on comptait crafter, vous montrer comment crafter un scooter. Et parce que faut quand même montrer aux abonnés, enfin, un vaisseau spatial. Et pour cela, on comptait rassembler quelques coups. Les choses dont on a besoin. On a besoin de quoi au niveau or? Un or. Attends, je vais regarder sur le site. Donc, ça va être beaucoup d'ellipses. Donc, la petite. Relégion. Donc, voilà. Le serveur a été down entre temps. Et du coup, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut. Mais il ne nous reste plus qu'à chercher des cactus dans le désert. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un biome. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a un biome désert? Parce que là, j'en cherche. Aucune idée. Ok, je pars en repérage. TP accepte. Je pars d'un repérage donc pour faire mon petit vaisseau spatial pour ensuite partir en repérage d'un biome jungle. Oui, c'est un petit peu compliqué cette histoire du biome. Il y avait du Ouraine et Crystal par là, mais on l'a pas miné. Ça refait du TP. Je l'ai refait, c'est bon. Je suis là. Ouais, c'est bon. C'est dans mon inventaire. Alors, qu'est-ce que. Ben. Qu'est-ce que putain de quoi? Ouais, mais au pire, on aura qu'à essayer d'en faire un pour chaque membre. Ouais, enfin, je sais pas, c'est loin à crafter. Je voulais déjà en faire un pour moi, mais vous le partagerez. De quoi vous parlez? Parce que là, je. Tu sais, les vaisseaux spatiaux pour se déplacer. Ah non, mais c'est pas long à crafter. Franchement, non. Ouais, mais faut farmer des ressources et du coup, je leur montre un petit peu quelles ressources. Mais une fois que t'as un cactus, tu l'utilises pas directement dedans. Hein. Tu fais d'abord. Tu fais un élevage. Un élevage de cactus. Ça doit être vachement utile dans la vraie vie. Ouais, si on a besoin de cactus, on en aura, ouais, c'est vrai. Non, les mecs, j'ai fait une erreur atroce. Du coup, j'ai deux cactus dans le désert. J'ai cassé mon gâteau. C'était mon meilleur ami. C'était mon seul ami. Mais non, on est là, nous aussi. On est là pour te réconforter dans ce grand moment de perte. Eh merde, préférez encore le gâteau. Ah, j'ai trouvé un objectif, faire un gâteau. Comme ça, pour soirée, il aura un gâteau. Oh là. Ouais. Ouais, voilà, j'ai des nouvelles idées d'objectifs, là. Faire un gâteau, faire une petite maison, et voilà, quoi. Les trucs qui ont totalement un rapport avec Dragon Ball, évidemment. Mmh. Un jour je serai une merde. Je me battrai sans répit. Bah oui, on parle de Dragon Ball. C'est bien que je chante, que générique. Mais non, tu t'es gouré. Attends, je vais te chanter le vrai générique de Dragon Ball. My little pony, my little pony. Je pense que je vais tuer. Parce que j'ai encore craché. Écoute, je suis un brownie. C'est pas de ma faute si je chante My Little Pony.
Non, non, ça avait quelque chose à voir avec Dragon Ball, au moins. J'ai jamais compris pourquoi ça, on appelait ça les brownies, les fans de... Bah, c'est une contraction entre les mots pony et bro, qui en anglais veut dire du coup frère. Donc c'est les frères poney, normalement, les frères ni. Waouh, ils auraient pas pu appeler ça un pognon ou je sais pas, un pony fan, je sais pas. Nous, les fans de Doctor Who, on s'appelle les Whovians. Ouais, les Whovians, c'est classe, mais nous, on s'appelle les Brownies, voilà. Je sais pas, il y a les, je sais pas, les Pokéfans. Ouais, les Pokéfans. Les Nintendo Boy, comme je dis aussi, enfin, c'est un nom que j'ai inventé, mais je sais pas vraiment le vrai nom. Les CDI Guys aussi, ceux qui sont fans de Link's Face of Evil. Et Hôtel Mario. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont fans de ça. Hein. Ah oui, il y a aussi les mecs qui sont fans de Hitman le Cobra. Comment on les appelle déjà? On les appelle Philippe. C'est les Philippiens. Vous êtes en train de tourner là? Ouais. C'est les Philippiens et ils habitent en Philippines aussi. C'était tellement drôle, j'étais, j'ai envie de te manger. Oui, je sais. Oui, TG, je suis drôle. Je vais. Et oui, ça tourne toujours aussi. Hein. C'est tellement drôle parce que mes deux initiales sont TG. Bon, par contre, sérieusement. Je pense maintenant que tu as gagné de l'argent. Gentilbo, tu pourrais gagner de l'argent jusqu'à la fin de ta vie sans jamais travailler. Comment? Et ben, tu je fais travaille pas. Tu mets. Ouais, j'ai vu ça dans un journal. Tu t'assois par terre dans la rue et ouais. Tu mets une pancarte avec marqué une gifle sur moi, ça vaut 1$. Je pense que tu vas être millionnaire en 2 mois. Quelques jours, hein, même pas. Et t'auras de quoi te. Ouais, mais non, merci, j'ai déjà YouTube Money, tu vois. Ou alors fais un zoo où il y a qu'un seul animal, c'est un koala. Comme ça, les gens ils entrent et en plus ça te coûte pas cher. Ils entrent en se disant ouais, un zoo, et puis après ils se cassent. Ça te coûte pas cher, n'empêche, un koala vivant ça coûte cher. Ouais, non, mais ça coûte moins que 3 tigres et 4 pandas. Disons. Ouais, c'est vrai. Mais attends. Ouais. Et du coup, hein, faudrait qu'on trouve ce putain. Sinon, un requin, tu peux le nourrir avec les clients. Oh, un client, vas-y, bouffe-le. Oh, un client. Oh, mon Dieu, un client. Ah non, il va à côté. C'est genre les mecs ils sont quasiment à la faillite, il y a un client qui vient tous les 2 mois. Genre ils discutent. Oh, j'ai une blague. Il y a un client qui va venir même deux. Oh, c'était trop drôle. Mec, là, c'est en faillite. Est-ce qu'on tourne vraiment? Parce que là on raconte un peu n'importe quoi. Bah oui, mais tu sais, ils aiment bien les abonnés quoi, n'importe quoi. Ah, ouais. Tant mieux. Tant mieux. Ah bah je vais pouvoir recommencer les vidéos alors. Bah oui. Est-ce que t'as n'importe quoi à raconter? Et au passage je casse des champignons hein, pour nous. Monsieur Lucas et Mess est en train de faire ses automatismes de. Mon Dieu, mais tu viens de révéler son nom au monde entier. Enfin au monde entier aux abonnés de Jean Thibault, mais c'est presque. Ouais. En gros à 2 personnes, c'est moi. Eh ta gueule, c'est 136 personnes et je fais ça. Et à l'heure actuelle, j'ai 136 vidéos. Ouais. Et le vrai nom réel de Jean Thibault, c'est... Thibault. Jean Thibault. Non, faut le dire ça après la pub. Parce qu'il y a une pub, tu fous des pubs maintenant. Mais déjà, je suis un youtubeur éclair commercial et il faut bien du suspense. Hein. Je te croyais pas comme ça. Hein. Ouais, mais enfin, bon. Si, totalement, mais. Ouais, mais bon, tu sais, je suis un youtubeur hyper commercial. Oui. C'était un 0-1, donc je vais pas faire une parapluie. Et du coup, on va pouvoir faire un élevage de champignons aussi. Hein. Élevage de champignons. Hop. Je récolte les champs. Ok. Tel un Hunter Ned.
Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien pu prendre? De la drogue? Oui, mais comme type de drogue? Oh mon dieu! De la cocaïne? C'est-à-dire? Ben, de la cocaïne, vous savez pas ce que c'est? Mais non, mais c'est-à-dire, que se passe-t-il? J'en sais rien, mais en tout cas... Tu sais que j'ai des trous dans le crâne quand je suis dans mon inventaire? Parce que mes cheveux sont totalement noirs. Ben, moi, je vous dis, c'est pas pratique de faire du bateau quand t'es petit. Dans le crâne. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est pas du tout pratique. Niveau des cheveux? Non, mais tu vois quasiment rien quand t'es en vue FPS. Voilà. Tu vois, tu sais même pas où tu vas et tout ça, du coup, faut te mettre en F5. En double F5, parce que tu vois encore mieux. Donc voilà, ici nous admirons donc un banc de poulpes. Voilà, enfin, ils sont passés il y a déjà quelques minutes, mais voilà. Ils sont passés où les poulpes? Oh putain, ouais. Non mais, où est-ce qu'on va trouver ce putain de désert? Non mais je sais pas s'il y en a des déserts, hein. Je sais pas si le désert existe. Vas-y, je fais un warp désert. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à trouver des cactus? Je vais en trouver, dites-moi, comme ça je reviens à la base. Mais voilà, je pars un petit peu en exploration du coup. T'as juste en trouver un, hein. Après on s'occupe de l'agriculture. Bah, deux cactus parce que c'est galère à trouver, hein. Alors déjà... Tu vois, on va faire des élevages de cactus, je pense que ça va coûter très cher pour rien. Alors, vous voulez du verre? Ben, achetez notre notre truc vert. Enfin, parce qu'il faut du colorant vert, voilà. Comme ça, les gens, ils pourront crafter des trucs avec colorant vert et tout ça. Et du coup, et nous, on se fera du fric et tout ça. Vous savez quoi? On va se lancer dans le commerce de colorant. Tu vends trois le bout de colorant vert qu'il veut. on va vraiment se lancer dans le commerce de colorant vert qui ressemble à de la weed. Et oh, je crois que j'ai trouvé. Faire les poches. Alors, je crois que j'ai trouvé un désert, mais j'ai vu une table de craft. Ce qui veut dire que quelqu'un est déjà passé par là. C'est à dire que tu peux le fouiller. Et là, si ça se trouve, là, tu vois, il y a toute une colonie installée dans le. Dans un désert, tout ça. Non, mais... Tu peux les manger. Ok. Alors, je vois une petite île dans le sable, mais non, il y a rien. Moi, là, je suis en train de voler très très loin, d'une manière très très cheatée. Ben oui, tu utilises Warded. Ça doit être chiant pour les abonnés, le coup du voler pendant 3 ans. Ouais. Sauf que moi, je vole pas, je suis à l'ancienne, je suis avec mon bateau. Ah ouais? Ouais. Je suis à l'ancienne. Les gens, ils aiment bien l'ancienne. Eh, faut qu'on mette la musique de Pirates des Caraïbes en fond tellement c'est... Ta gueule. Ah ouais, faudrait que je te montre un truc... Roblox, Gentibot, c'est un serve DBZ, il est pas mal. Ouais, j'entends un grésillement. Il y a quelqu'un qui ose grésiller pendant cette vidéo. Vous n'avez pas vu le panneau à l'entrée du casting de pourquoi la Block Z? Ne pas avoir un micro qui... Ne pas grésiller. Ne pas grésiller, j'allais le dire en plus. Mais je me suis dit, non, ne pas avoir un micro qui grésille, je vais pas dire des conneries. Sauf qu'en fait, si t'es dans une vidéo, lâche-toi, dis des conneries. Et du coup, il y a encore un truc... Moi, je suis à la Superman qui vole allongé. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent faire des rap battles entre. Qui veulent savoir qui est le plus fort entre Goku et Superman. Sinon. Oui, par contre, Goku, il le défonce en une pichenette. Et oui, ça fait la troisième fois de cette série de merde que je dis cette blague. En fait, je crois que je vais la sortir à chaque épisode. Oh putain! Je vais la sortir à chaque épisode, oui, je te fous une pichenette. Et t'es mort. Faut pas oublier le. Et t'es mort à la fin. Ah ouais, je te fous une pichenette, t'es mort. Voilà. C'est, ça va devenir un mème dans cette série, sérieusement. Ouais. Non, et voilà, du coup, vous avez... Et du coup, à gauche, vous avez Sfarai et sa fameuse blague des pichenettes. Il y aura des gens qui vont faire des compilations de pichenettes par épisode. Putain. J'adore le petit. Vas-y, les abonnés, si vous pouvez faire une compilation de pichenettes, on veut bien.
Une compilation des moments les plus drôles, c'est ce que je suis en train de préparer. Un coup d'état. Je pense que Napoléon, il a fait comme ça pour avoir le trône. Et là, il l'a fait. Et voilà. Parce qu'en fait, c'était en réalité Sangoku. Ouais, et du coup, je vais faire. Je suis choqué et déçu parce que là, il n'y a pas. Je ne suis pas arrivé sur une putain d'île où il y avait. Je suis scandalisé, monsieur. Je suis scandalisé et du coup, je dois AFK 2 secondes. Donc, c'est une honte. Donc, du coup. Vas-y, j'ai réussi à retrouver le rôle. Petite période d'AFK. Relégeant, donc Sarah n'est plus cool, mais il est toujours avec nous. Bonjour. Et nous avons Usurite. Alors, on a cherché vraiment beaucoup de fois un désert. Désert que nous n'avons pas trouvé. Mais on a eu des trucs au spawn, des colorants, enfin... Voilà, des... on pouvait acheter des cactus. Ouais, on pouvait acheter des cactus au spawn. Donc voilà. Il y en a qui est en train de cuire pour faire du colorant. Et du coup, on s'est dit, si on n'arrive pas à trouver de désert dans ce truc, et que les déserts sont peut-être inexistants, comment on arrive à trouver un biome Mesa dans ce truc, qui est encore plus rare. Parce que... C'est-à-dire... C'est les biomes avec les gros arbres. Oh. Non, les biomes Mesa. Attends, avec le sable rouge. Non, mais je suis vieux de Minecraft. Oui ? Quoi ? Avec le sable rouge, là, tu sais. Avec le sable rouge ? Ouais, l'espèce de canyon. Ah ouais, moi j'avais trouvé les biomes avec les gros arbres et les champignons géants. Ouais, moi aussi j'avais trouvé ça plein de fois. Et d'ailleurs, j'ai tellement de champignons qu'on pourrait faire des élevages de champignons. Donc, ouais. Du coup, je vais en planter quelques-uns. Je vais faire de la soupe, en fait. Je vais faire de la soupe. Bon, ça c'était ma table d'exploration. Je vais la placer dans les coffres. Qui servait à rien, quoi. Ouais, elle a servi à rien parce que l'exploration au final n'a rien donné. Du coup, on va peut-être planter, on va peut-être se faire une ferme, un bâtiment de ferme à arbres géantes. Enfin, un bâtiment de ferme à champignons géants. Ouais, parce que là, t'en as chié pour faire cette phrase, putain. Ouais. J'avoue. Alors, t'as besoin de combien de redstone? T'as besoin de combien d'or? T'as besoin de combien de... Bah, une redstone... écoute, la redstone, j'en ai pas besoin, parce que j'en ai déjà une. Et comment on fait un bol de champignons, sérieux? Comment on fait une soupe? Un bol de champignons? Il te faut deux champignons. Un champignon de chaque et un bol. Ah ouais, merde, j'ai oublié de ramasser l'autre type de champignons. Voilà. Mongolitude. Une redstone, combien d'or? Ouais. Ben, une redstone, j'ai déjà combien d'or? Ouais, un bloc, non, mais c'est que moi aussi, je compte m'en faire un. Ouais, un truc d'or. Un lingot d'or pour toi? Ouais, un lingot d'or pour moi. Deux. Et un lingot de fer. Et trois trucs de cactus. C'est bon, le cactus, j'ai. Alors, de fer. Mais qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Attendez, je regarde dans la liste. Ok. Mais moi, je regarde dans la liste, du coup. Alors, ah oui, c'est vrai, il nous fallait les gemmes. Ouais. Donc, ouais, il nous fallait des gemmes, du coup. Merci. Alors. J'ai aussi ça. Merci. Ça. Et ouais. Puis, normalement, c'est bon. Ah non, ouais. T'as besoin de lapis. Combien de lapis? Ouais, mais lapis, on n'y est pas encore. Oui, mais même. Combien? Ben, il m'en faudra 3 après, mais ça, on verra ça après. Ah. Je viens de lancer les 3. D'accord. Merci. Donc là, normalement, merci. Mon inventaire est full, déjà, alors. Moi aussi, il faudra que je me retrouve. Je joue un petit peu en fenêtre, du coup, pour voir le craft. Du coup, je peux déplacer la fenêtre et en même temps record. C'est plutôt pratique. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Je vois le craft, alors. Ici, si tu n'avais pas compris, c'est notre élevage de cactus. Ouais, donc, oui, j'avais compris, merci. Tu es complètement inutile, hein. Comme tu es complètement con. Non, mais sauf que... Question. Sauf que pourquoi ça n'a pas marché, Jimmy? Tout comme il fallait. Ah. Parce que je viens de le dire. Hein, Ah oui, d'accord, c'est vrai. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai inversé les Warnai et... Voilà, nous avons les processeurs Tech 1. Hein. Ensuite, après... Comment t'as fait ça? Déjà, où est ma luminite? Bah, je te l'ai dit, je t'enverrai la page sur Skype, du coup, pour crafter, mais... Merde. J'ai de la luminite, si tu veux. Ah oui, enfin, j'avais 3 poudres de luminite, mais du coup, j'ai... Moi, j'en ai 13. Ouais, bah donne-moi 3 minutes et moi j'ai 3 lapis du coup. Et 3 tiers 1. Du coup, on va pouvoir se faire notre petit vaisseau spatial. Voilà. Spatiaux, monsieur le prof de France. Ouais. Donc. Et c'est quoi les crafts du coup? Mais je te les enverrai sur Skype après l'épisode. Ok. Alors, c'est où? C'est donc ici. Donc, là, normalement, tu peux te faire un vaisseau. Oui, je vais me faire un vaisseau.
Parce que je ne sais pas comment crafter des nuages, parce que je suis un gros no life. Je crois que les nuages ne sont pas craftables, mais achetables chez Camille. Ouais. Et du coup, oui, bah on ira voir Camille. Hein. Il coûte carrément cher. Ah merde, il me montre. Il me manque un Warren Eye Crystal. T'en as un? J'ai de quoi faire, ouais. Ouais, donc il vous faut, voilà, oui, Warren Eye Crystal. Ou bien, vas-y. Au pire, je peux aller en miner, oui. Clac. Thank you. J'aime bien des gemmes qui sont plus petites que nous. On devrait faire une image à poster sur Twitter avec ça. Parce que je poste souvent des images de la série. Voilà, de enfin, elles sont presque aussi grandes que nous. Enfin, elles sont aussi grandes, mais sans la tête. Enfin, voilà quoi. Et voilà, on a notre putain de vaisseau spatial. Vas-y, tu peux en faire un au pire. Oui, mais on en a chié pour crafter toutes les ressources. Ouais, non, mais j'ai toutes les ressources. Et d'ailleurs, est-ce que y aurait pas. Ouais, mais je t'enverrai sur Skype et. Attends. Ok. Au pire, je te prêterai mon vaisseau. Mais voilà. Ouais, non, mais non, du non, coup, mais voilà. La prochaine fois, je pense qu'on essaiera de. Enfin, je pense que là, du coup, on va essayer de trouver un biome jungle. Mais je sais pas si on va encore. En les biomes jungle, ça existe. Biome jungle, ça existe, ok. Ouais, ça c'est sûr, j'en ai trouvé. Ouais. Bien sûr, je les ai pas à 7, donc je ne peux pas savoir où ils sont, mais ça existe. C'est pas comme les biomes désert. Vous pourrez nous dire, mais bon, on en a chié pour ne pas en trouver, donc. Ouais, voilà. Mais après, on sait où il y a un biome Mesa. Il y a un biome Mesa près du noir, mais on se dit quand même que normalement, ça aurait pu être très dur si on connaissait pas. Est-ce que ça va plus vite que nous, les vaisseaux spatiaux? J'en sais rien. Écoute, faudra que tu demandes. Pour savoir si c'est intéressant pour moi. Ouais. Ça va aussi vite que moi, sauf que ça n'use pas d'énergie. Ah non, ça va un peu moins vite. Ouais, ça va un peu moins vite, mais ça use pas d'énergie. Et du coup. Et ça va beaucoup moins vite. En fait, ça va aussi vite que moi quand je suis pas en Super Saiyajin. Parce que sinon. Ouais, en Super Saiyajin, tu dépasses tout. J'arrive. Ouais. Je suis en train de charger mon énergie histoire de devenir un Super Saiyajin. J'ai bien dit un Super Saiyajin. Ouais. Vas-y. Alors, comment on fait monter avec le vaisseau spatial? Ouais, tu fais espace ou shift. Enfin, je pense que c'est un shift control et tout. Alors, attendez. Oui, voilà, et. Espace et shift, ça me fait descendre! Waouh! On était au bord de la catastrophe. Du coup. Non, il est juste tombé, je te le volais et je me cassais avec. C'est tellement sap, Tintin. Donc, je suis né en fait. T'as tout compris. Vas-y, on fait une course? Non. Non. Pourquoi? T'as pas envie? Parce que. Moi, je suis dans mon vaisseau spatial, toi, t'es dans ta jalousie. Vaisseau spatial qui ressemble quand même au drapeau du Japon. Qui va pas assez vite même, j'ai envie de dire. C'est le drapeau du Japon, les amis. Et ouais, nous sommes le Japon. Et nous sommes sur agar.io. Non, c'est con. T'imagines? Il créait ça, un truc à la agar.io. Oh putain. De là que dans les garpoignons, j'aime bien prendre la Corée du Nord et les satanistes, hein. Ah ouais. Vas-y, mais moi, c'est dans la vraie vie que j'aime bien prendre la Corée du Nord et les satanistes. Ah putain. Assure-moi que ça tourne pas. malheureusement, les FPS de frappe sont rouges. Tu sais ce que ça veut dire quand les FPS de frappe sont rouges? Oui, parce que j'ai frappe, ce qui ne marche pas, mais... Ta version de 10 secondes, c'est ça? Non, 35 secondes. Bah, je pourrais te passer la bonne version. Ouais, vas-y, faudra parce que là, quand même, j'ai essayé de faire une vidéo de 35 secondes, mais quand même, c'était plus genre salut tout le monde, au revoir tout le monde, c'est bon. Salut tout le monde, je viens vous montrer ma bite, allez, au revoir. C'est pas réellement la vidéo que j'ai essayé de faire. Surtout qu'on n'a pas besoin de frappe. Salut tout le monde, je vous présente ma vie sexuelle en une vidéo. Alors on a seulement besoin d'Instagram pour faire ça. Ah putain. Ou de Snapchat, ouais. Non mais voilà, tu vois. C'est la même chose. Toi tu seras en mode salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dans une vidéo qui résume ma vie sexuelle et c'est pour ça qu'elle dure très longtemps. Allez, à plus. Une vie sexuelle de 35 secondes. En clair, t'as couché avec aucune meuf ou tu t'es branlé pendant 35 secondes. Voilà. Salut. T'as fait tomber de la laine en fonçant dans le vaisseau. J'essayais de te lancer dedans.
Mais t'as. J'ai fait un attrape! Attends. Je vais Vas-y, attends. Le vaisseau du Japon va attraper. T'es où? Chercher des choses. Je suis en train d'aller chercher de la laine. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Tu balances n'importe quelle merdouille dans. Non, dans non, des côtes de porc. On te voit en bas là, tu sais. On va faire un zoom, tu sais. Donc. Bon, où es-tu? Là. Bouge pas, on va voir si ça attrape. Je ne sais pas si ça a attrapé. Moi, j'ai cru voir. Ah oui, j'ai des côtelettes du porc à côté, mais non. Et t'as de la laine aussi. Non, malheureusement. Essaye d'aller au spawn pour voir si on peut acheter, tu sais, les pousses pour les arbres de la jungle, parce que je sens que je vais quand même galérer un petit peu. Mais on va essayer de les trouver. Ouais, y'a. Moi, voilà, je regarde juste au cas où si on peut trouver, parce que j'aimerais bien trouver des pousses de la jungle, du coup, pour faire pousser un arbre de la jungle. Est-ce que je peux me mettre sur ton dos? Ah oui, essaye. Attends. Alors, bouge pas parce que je suis un viseur professionnel. Vas-y, avance. Ah, tu te casses sans moi. A plus. Ouais. Et on voit du coup là, tes particules. Tu m'as quitté. D'écouter la petite vidéo. Ah, putain. Et du coup, Sarah, t'es toujours là? Pareil. Ça. Évidemment, tu crois quoi? Salut à la personne qui s'est incrustée dans la vidéo. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Ok. Ah oui, t'as deux voix, t'as une fiche là? Non. Absolument non, pas. Non, c'est sa vraie voix, mon gars. Hein. Je sais pas où est-ce que tu l'as. Ouais, j'ai entendu une voix de gosse là derrière. Hein? Ouais, enfin, je ne sais pas, c'est chelou. Tiens, mon Rachel, je vais dire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu, malheureusement? Absolument pas. Ouais. Ou je suppose que c'est tout à fait Clichard 93 qui a essayé de s'incruster. Mais non, il y a personne qui a essayé de s'incruster, mon gars. Clichard. Non, il n'est absolument pas là. Hein. Je regarde sur Skype. Non, mais je viens, et puis il est pas là. Ah oui. Arrête, d'accord. T'as parano, mec. Par contre, il y a du style. Richard Herbert. C'est Richie. C'est qui Richard? Bah Richard, c'est celui avec qui je t'ai trompé, tu sais. Hein? Ah oui, je te l'ai pas dit. Hein? Moi pas comprendre. Ah bah t'étais pas au courant, je t'ai trompé. J'avais tombé le vaisseau. Tu peux m'attendre? J'avais tombé le vaisseau. Mais on va regarder au spawn. C'est où que t'avais trouvé tes trucs? Parce que je me demande s'il y aurait pas des pouces au spawn en fait. Tu m'as trompé. Ouais, non, mais là, cette fois c'est toi qui paye. Moi ça m'a coûté 200 pièces. Hein. Depuis le début. Ouais. Ah ouais, mais en fait on s'en fout vu qu'on était même pas ensemble. Ah, c'est ça. Allez, on s'en branle. T'as compris. Ah, on s'en branle. N'est-ce pas? Oui. Les petits farfadés. Les petits farfadés nationaux. Non, arrête, tu vas faire du plagiat. Et toi, t'as rajouté nationaux, du coup, t'as fait un plagiat. Les petits farfadés. C'est cool. Sont nationaux. Mais petit farfadet non nationaux. Quoi? Non, c'est pour moi. Non, c'est mon épée. Ok. Non, j'ai le Japon dans ma main, alors tu vas fermer ta gueule. J'ai Nintendo dans ma main, ok. J'ai le hentai dans ma main. J'ai Nintendo, j'ai le hentai, j'ai tout ce que tu veux. Non. J'ai le sushi. Et non, ça par contre ça m'attire un peu moins, je sais pas pourquoi. parce que c'est au poisson, espèce de raciste. Là. J'ai le riz quand. Ah non, ça suffit, non. T'entends le cul. Là, tu les as reconnus? Ils auraient été un chiot. Non, par contre j'adore la bouffe chinoise. Ah ouais, moi aussi j'adore ça. Alors, je sais pas. Mec, tu me mets devant un plateau de nems, je. Bah oui, tu vas bouffer comme un gros porc. Oui. Non, mais c'est pas celui-là qui vend, il y a les panneaux pour vendre en fait. Ah oui. C'est les panneaux qui te vendent des choses.
Et pas genre Wackwood, Spricewood, Birch. Ouais, mais moi ce que j'aimerais bien chercher, c'est et du Pitchwood. Ouais, mais ce que j'aimerais bien chercher, moi, ça serait, tu sais, ouais, des seeds. Pousses. Ouais. Des pousses. Bonsoir, Love. Ah. Bonsoir, Love. Est-ce que j'ai de la money, d'ailleurs? Ou est-ce que je suis pauvre? 142. Bon, quand est-ce qu'on commence à tourner, sérieux? Mais je suis en train de tourner. Merde! Mais j'ai fait des tas de références à... À What the Cut et à tout un tas de d'autres trucs. Mais j'ai dit qu'on était en train de tourner. J'ai dit, ça arrive, voilà, on va tourner. Putain. Mais t'écoutes jamais, en fait. Il est trop con. Mais... T'es con. T'es sérieux? T'es mon con. Mon gars. Mais on t'adore. Parce que t'es con. Y a pas de saplings. Et est-ce que tu as reconnu les fournitures robots? Non. Ça me dit rien. Si tu connais Fallout New Vegas, bah c'est les robots cowboys. Ah oui. Sfarai, tu connaîtras peut-être le nom. Oui, Sfarai, je joue à Fallout. Mais moi aussi, je vais peut-être me mettre à Fallout un jour. Moi, je l'ai. Ouais. Je vais peut-être me mettre à la série, je vais pas me mettre à rigueur juste le 3, je vais voir le 1 et le 2 aussi, je sais pas. Bah moi je suis pas dans le 1 ou le 3, je suis dans un New. Ouais, c'est combien là. Ça. Et il y a le 4 qui va sortir bientôt. Ouais, je sais, Fallout 4. Mais moi je suis le New Vegas par exemple. Ouais. C'est combien? Bah c'est le New Vegas, il y a le Fallout 3, il y a le Fallout New Vegas et il y a le 4. Non, Fallout ouais, New Vegas. Moi, j'ai, c'est pas vraiment un spin-off, parce mais que Quentin peut... il l'a du coup. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un spin-off, mais on va dire voilà, que c'est un spin-off. Roche, pas chigueuil, ils vont rien. Non, écoutez, je ne pourrai pas faire ma maison dans les arbres hyper hyper cool. Bah si, c'est possible, hein. Il y a des. You've got mail. J'ai eu un mail. Il était une fois. Ouais. T'as des amis? La vie. Ok, c'est de la merde. Ok. Slash. Voir Camille. Alors les gars, je vous explique. Je suis en Kaioken, Super Saiyan 4, fusionné avec Goku, Super Saiyan God, mort, avec une auréole sur la tête quoi. Ok. Ça grésille. On avait dit que tous ceux qui grésillent étaient bannis. Ouais, on avait dit ça. Tous ceux qui grésillent sont bannis de cette. On avait dit ça. Ouais. Du coup, voilà, je crash, du coup, qu'est-ce que c'est? La vie. Ça... Oh, merci pour la fleur. Je supprime ce mail, il sert à rien. Bien sûr, je le ferai pas. Cadeau. Oh, Sfarai, on a retrouvé ton gâteau. Oh mon dieu, mon gâteau. Vous savez quoi? On va faire un monument pour le gâteau. Et le monument, on va l'appeler le monument anti-Bruno. Non, le monument Bruno. Ouais, mais anti-Bruno parce qu'il veut pas s'en approcher, tu vois. Sinon, il va le bouffer. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a un portail du Nether vers là. Le monument envie, Bruno. Get to hell. C'est pas un nom d'un DLC de Fallout. J'en sais rien. Non, d'un DLC de Saints Row. J'ai confondu. Je confonds. Aucune idée parce que moi, les scènes DLC, comme c'est payant, j'aime pas. Ouais, mais il y a dans les DLC en date de Saints Row, c'est Get to hell. Moi, je regarde pas les DLC parce que c'est payant. Ben, il dit c'est gratuit, hein, regarde FNAF 4, il y a un DLC qui va sortir là, dans quelques jours, à la réunion tourne. Il dans sera FNAF peut-être déjà sorti, alors... Mais FNAF, c'est payant comme jeu. Oui, c'est payant comme jeu. Ouais. Au pire, tu peux le crack. Il y a la démo sur tablette. Ouais, au pire, t'achètes la démo, au pire, tu le crack, au pire, j'en sais rien. C'est pas le crack. Au pire, tu deviens un professionnel du crack, hacker professionnel, qui a le skin de Squid Games, en plus, il s'est vraiment fait hacker aujourd'hui. Hashtag Madrid. RT, c'est triste. Ouais, d'accord. Get to hell, sauf que ça sert à rien, les enfers. En fait, ils ont juste repris le monde. Ouais, vous avez raison, en fait, les enfers, il n'y a rien qui change. Oh, mais je suis dans notre base. En version enfer. Saucer, c'est le Spark. Non mais Saucer, c'est genre. Oh, Sausage.
Non, un sauceur, vous savez ce que c'est? Oui. Et je suis dans la base, mais version en fer. Un truc pour la sauce, quoi. Et ben, il y a une attaque qui s'appelle Sauceur de la mort. Ouais. Quel tuable ultime. Mais c'est comme l'arme de Splatoon qui s'appelle le sauceur, quoi. Oui, mais là, c'est... C'est la classe. C'est... Classe. Ouais. C'est voilà. Du coup, comment on pourrait faire ma maison? On peut ne pas la faire aussi parce qu'on s'en bat les steaks, ouais. Mais t'as gueule. Mais tu as tout compris, mon cher... Usora. Monsieur aux oreilles. Je sais, je vais faire un manoir de luxe. Vas-y. Vas-y, comme j'ai de l'argent et que moi je pèse dans le game et que vous faites des petites maisons de merde et que c'est pas bien, je te propose que je fasse un manoir. Voilà. Parce que je suis un enculé de riche. Moi je te fais une maison en or, tu vas voir si je suis pas. Ouais. Non, une maison en or ça fait kikou. Du coup voilà, on a. Du coup je vais regarder peut-être des tutoriels sur ma 3DS depuis en direct. Non, quoique, je ne sais pas. Écoutez. Que tu vas regarder toi, c'est YP. Sur ta 3DS. Alors Manor Minecraft. Écoutez les gens, on va se mettre à faire un gros manoir de la mort qui tue. Voilà. Non. Non, parce que ta gueule, on est pimp. Genre, vous avez des maisons. Ta gueule, je suis pimp. Elles sont jolies, petite bite. Alors, je suis sur Google là, du coup. Manoir. Putain, le téléphone qui sonne, j'ai pas le temps de le prendre. Vas-y. Ouais, non, mais tu demanderas à Exday, lui c'est le pro. D'ailleurs, il serait pas temps de couper la vidéo. Ouais, mais non, là on peut faire une vidéo un petit peu longue. Il y a eu beaucoup d'ellipses, donc on peut pas réellement savoir. Je me rappelle ouais. Pas vraiment. Oui, tiens. Est-ce que j'ai fait ma blague de la pifnette? Oui. Oh. Vas-y, fais-la, je l'ai pas entendu. Fais pas. C'est bon, en fait, on bat Superman et Goku. On bat ce Goku qui gagne avec une pifnette. Ah, c'était ça? Ah bah alors, c'est déjà entendu. Non, je sais plus trop ce que c'était, mais... Enfin, vous... C'était de la merde. De toute façon, on sait jamais rien. Mes abonnés, vous me direz dans mes commentaires de ma vidéo. De ma chaîne. Sur Sfarae Bloxé. Cette série n'existe pas. Cette série n'existe bien évidemment pas, mais... Putain, sérieusement, est-ce que je peux pas trouver un plan pour un manoir là? Un plan de manoir... Mais non, mais tu demanderas à Xday, il a fait le manoir Lennon plus de 14 fois. Ah oui. Parce qu'on est tous les deux des fans de Bob Lennon, et lui, il adore l'architecture, donc... Ouais, parce que toi, t'avais fait la maison, tu sais, t'avais fait la Joconde Death Metal sur Forti. Oh putain, ouais, d'ailleurs, elle est morte, faudra qu'on la refasse. Faudra qu'on lui fasse un hommage. Ouais, est-ce que j'ai de la laine? Ça existe plus, donc voilà. Ouais, non, mais est-ce que j'ai de la laine? Ouais, je vais faire un hommage. Ouais. Un jour, faudra que je fasse un hommage, Joconde Death Metal. Minecraft, manoir. C'est parti. Ou alors la petite et le Bruno. Ah, la petite fille, Bruno. Ah, je m'en rappelle. Malheureusement, les abonnés n'étaient pas là, du coup, ils s'en rappellent pas, du coup, on est sadique, du coup, on parle des trucs qui. Fille et Bruno, vous êtes sérieux. tu connais ce tableau? Mais c'était au musée à New York à l'époque. En fait, t'as une petite fille qui fait un câlin à un cochon. Ah putain, je la connaissais pas. Dans plein de. C'est pas le pauvre, non mais arrêtez de vous foutre de la gueule, le Bruno. Ouais. La vidéo. Bon, je vous mets moi quand même, c'est l'âge de faire son vidéo. Ouais. Et tu le fais aussi, toi. Moi? Moi, je me fous de la gueule de Bruno, mais pas du tout. Mais par contre, il est grand, mais Bruno, il est un peu gros. Le mec. Arrêtez, mais en plus, en vidéo, ils savent même pas qui c'est, Bruno. Ouais. C'est ce qu'on appelle une private joke. Ça s'écrit... C'est une private joke. P-R-I-V-A-T. C'est une private joke, bien évidemment. Personne ne va comprendre des références à Bruno. Bruno, ne sois pas mécontent. Ah oui, Bruno, si tu regardes cette vidéo, désolé. Désolé, on t'aime, Bruno. We love you.
D'ailleurs, je pense en ce moment même à un t-shirt avec marqué I love Bruno dessus. Je suis Bruno. Ouais, nous on a un t-shirt I love Bruno. Les attentats de Bruno Hebdo. Oh putain, non, faut que j'arrête de dire ça parce que je vais me faire frapper dans la rue. Tu vas retrouver où t'habites et te poignarder à coups de seringue sous la douche. Coup de seringue, genre overdose de glucides. Le glucose, ouais. C'est mal. Ouais. Et du coup, voilà, nous avons déjà les débuts de la maison. Hein. Voilà. Mais faut qu'on arrête parce que sinon il va décéder. Ah, mais non, mais faut pas qu'on arrête, putain. Je viens d'avoir une super idée. Allez, business. Business. Non, mais de toute façon, plus ça arrête, moins, plus ça dure de temps, plus je me fais de YouTube money. Voilà. Tout le monde va me tuer. Tout le monde va me tuer. Parce que j'ai fait des tas de références. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sur Namek. Ouais. Et c'est pas pour ça que je vais. Ouais, d'ailleurs, on devrait s'installer un petit peu sur Namek, s'établir, envahir le monde. Vous l'avez déjà fait auparavant. Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Je suis très con. Ouais, super ouais, bon vol, mec. Super doigt. Il y a un mec dans le chat de Minecraft qui tu remontes assez loin et... Ah bah non, puisque ça a coupé il y a pas si longtemps. Oui. Du coup, voilà, on vous montre un petit peu le début de la maison. Après, on aménagera, on verra comment aménager. Il y a le mec qui s'appelle Richard, il a trop de style. Ouais, t'as vu. Il a trop de style. Grand... Non, ouais, tu vas encore faire une référence. Non. Non. T'imagines ça le. T'imagines là, on aura des terroristes référentieux chez nous. Arrivés, ils vont nous identifier. Nous mettre dans la cave. Identifiez-vous. Je peux cesser. À peu près, c'est bon. Je vois pas, je. C'est bon, je vois pas quelle référence j'ai fait, moi. Non, c'est vous qui faites des références. Moi, je n'ai absolument pas fait de référence. Moi, de référence, non, mais. Nah, non, mais. Ça va pas dans votre tête. Ah, vas-y, il y a F, je sais pas combien, qui est en train de frapper un autre F. Ah non, c'est T qui est en train de frapper. Bah, c'est une baston familiale. Ouais, c'était. C'était 18 et était 17. Et d'ailleurs, à propos de ça, j'aurais bien voulu faire une blague raciste, du humour un petit peu noir, mais malheureusement, comme faut respecter les juifs. Oh là là là, mais. Mais non, mais là, tu vas dans des choses beaucoup trop dures. Bah ouais. Si t'enfonces trop. Je m'enfonce comme, là. Comme rien du tout, en fait. Genre le mec il allait faire une référence mais bon. Non, je sais ce que t'allais dire. Une référence, hein, c'est plus ou moins une blague. Même. T'allais plus ou moins faire une blague, on sait ce que t'allais faire comme blague, mais on va pas le dire. Ok. Parce que il y a des enfants, dit le mec qui a fait précédemment une blague sur les koalas de queue précédemment. Quoi? Non, il y a 12 épisodes. Flashback. Chez nous, il y a un enfant. Ah oui, très bien. Oui, c'est... oui. Donc, celle, tu tailles tout de suite. Pas chier. Ah, le padré qui vient voir ce qui se passe. Tu le sens, le padré qui vient voir ce qui se passe parce qu'il croit qu'il est plus devenu fou entre temps ou je sais pas trop quoi. Alors. Ah. Donc. Ok. Donc. Et celle en forme parfaite, je me fais défoncer, quoi. Ma pig, et voilà. Ah! Les gens, je vous conseillerais de télécharger Internet, qui est un très très bon jeu de survie. Cube. Les abonnés, faites-vous ça, et abonnez-vous. Bah, vous êtes déjà des abonnés, comme je viens de le dire. Non. En plus, tu les incites à se désabonner. Non mais tu t'enfonces, tu t'enfonces, mec. Tu insinues que j'ai de la popularité. Non mais t'as dit en plus essayer de jouer des abonnés. Non et là tu t'enfonces. Je savais que tu faisais bien. Arrête, il a trop de charisme, Uzo. Si tu le retires de tes vidéos, tu risques de plus avoir des. Ouais ben je m'en fous. Si tu arrêtes de me payer, tu n'auras plus aucun abonné. Oui voilà.
Ah merde, fallait peut-être pas leur dire qu'on payait. Ouais, malheureusement, faut pas leur dire que vous êtes des glaces payées, que la fortissime est morte, et que... Parce que après, ils vont se mettre à... Ouais, mais en même temps, au moins c'est bien, ils vont se mettre à croire qu'il va y avoir un nouveau Forticraft ou quoi que ce soit. Donc voilà, on vous le dit. Mais... Non, on s'en bat les steaks, hein. Ouais, alors que nous, on s'en bat les steaks, voilà, on fait que ça pour le fric. Hein, tout, voilà. Enfin, je fais que ça pour le fric, parce que toi, tu gagnes rien vu le nombre d'abonnés. Bien sûr. Qui t'a dit que j'ai pas une cuisine de luxe dans mon jardin? Tu sais ce qu'on dit sur les youtubeurs, non? Qui sont cons. Ça tombe bien, je fais pas de YouTube. Moi, je sais ce qu'on dit. On dit Cyprien. On dit s'il y a trop de grippin, c'est grillé. Ferme ta gueule. Hôtel Mario. C'est bon, les gens ont compris la référence. Clin d'œil. Discret. Clin d'œil. Oh putain. Putain, j'ai encore fait une référence, putain. Non, plagiat, c'est pas pareil. Oui, voilà, un plagiat de... Est-ce que vous savez de qui je viens de faire un plagiat, là? L'hôtel Mario. De Mario. Termite Modern. Oh putain, je viens encore de faire un placement de produit dans... Oh putain. Alors, ça fait Antoine Daniel, l'ermite moderne, moi-même, je me place à peu près au niveau de ces deux youtubeurs. J'ai fait une référence. Hôtel Mario, mon très grand youtubeur. Tu te calmes tout de suite, sinon je te mange. Encore ? C'est la troisième fois de la semaine. Ouais, tout à l'heure c'était les mollets. Ouais. Je me rappellerai tout. Et je veux dire qu'il y a de quoi faire. Oh, mais t'es une enflure! Non! Bon, vous pouvez ne pas vous défoncer, s'il vous plaît. Merci. Parce que je vous rappelle que si vous vous défoncez, vous baissez votre salaire. Voilà. Merde! On doit leur faire croire qu'on est gentil et tout ça. Moi, faut que je bute le dernier sel, donc ça va se faire au KLM, je parie. Ouais. Et non. Du coup... Merde, comment on fait des vitres? Voilà. Merci. Comment on fait des abonnés? comment faire des vitres en 5 étapes? Alors que tu peux le faire en 1 étape. Non, en 2 étapes. Vous voyez, c'est comme les pubs. Comment gagner de l'argent en 5 étapes? Oh putain, comment gagner un On sait bien évidemment que c'est plus Marc. Je m'appelle Jérémy. Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier Jean-Claude Pierre-Marc. Je m'appelle Pierre-Marc Frédéric Jean-Luc Olivier Julien François. Je vais vous apprendre à gagner 30 000 euros en moins de 41 secondes précisément. Alors, tout d'abord, vous allez commencer à parier. Ensuite, vous allez cliquer. Vous allez sur pleasedonate.com. Et voilà. Sur. Vous mettez votre compte en banque. Sur julien.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 
Arrête, non, mais le vrai truc, c'est 1 million d'euros par seconde. Je vais gagner 200 euros en 3 secondes. Bienvenue sur mon site. Allez, sur le Pedro. Je suis un vendeur pakistanais. Vous pouvez gagner 3 euros en 1 seconde. Venez sur mon site. C'était quoi ce vieux cliché de merde qu'on a envie de t'exterminer après? Non, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des Pakistanais qui regardent cette vidéo? J'en sais rien non plus. C'est une baby des chips. Raciste. Vous savez que je dis, on aurait dit que je disais racis, genre du pain racis. Genre tes mollets. Mais qu'est-ce que t'as avec mes mollets? Ça commence à devenir dégueulasse. Ben, ils auraient à des fantasmes sexuels sur les mollets, hein, c'est très bien. mec, tu vois, il a fantasmé sur les mollets de Jennifer Lawrence. Mais en fait, si, je vais pas aller jusqu'à dire que vous êtes flippant, mais oh putain, j'ai encore fait une référence. Non mais c'est bon, ça c'est pas si drôle. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer parce que c'est de votre faute. Parce que c'est votre vidéo, enfin c'est ta vidéo, gentil. Mais ouais, j'avoue, ouais. Tout, c'est notre vidéo. Je suis responsable des références. JT, j'aime pas tes abonnés. C'était une blague et tous les abonnés qui me regardent ne me mangez pas les mollets. Ah merde, je fais une pioche, je suis con. Qu'est-ce que t'as avec les mollets? Qu'est-ce que t'as avec les mollets? Ah, qu'est-ce que t'as avec les mollets? Moi je suis un mollet, tu vois. Moi on me respecte. Moi je suis un mollet respectable. Faut que je bute puis qu'ils disent. Le mec est un oiseau. Arrête, tu respectes les persos de Dragon Ball. Aussi étrange soit-il. Aussi pourri soit-il. Aussi mollet soit-il. Je sais pas qui est pourri puis mais. Aussi mollet soit-il. Ok, de jamais trouvé d'amis. C'est un traumatisme pour lui. Tu te calmes tout de suite. Sinon, je te mange. Sinon, je mange ton mulet. C'est exactement. Ton mulet, genre. Oh non, j'allais faire encore une référence à What the Cut, mais non. Ouais, non, mais c'est bon, c'est trop tard, j'ai déjà fait. Hein. Non. Non mais on a le droit de faire des références. C'est beaucoup trop tard, beaucoup trop. Oh putain, je viens encore de faire une référence. Je suis con ce soirée. Moi, je vais dire c'est votre fois si je fais des références. Ah, oui, d'accord. Oui, j'avoue, et après on va se faire virer. Mais non, vous avez le droit de faire des références, ça fait gagner plus de fric. Ça fait perdre plus de fric, surtout. Ta gueule, je connais mieux le capitaine. Le trade de quoi. Pour les droits d'auteur. Oui, il faut que tu les payes. Ah merde! Tu payes tes références! Ouais, mais bon, Antoine Daniel, il vient pas me réclamer du fric. Au pire, je vais arranger un coup. Puisque personne te connaît. Oui, mais je suis un capitaliste. Tu vois, j'arrange un coup avec Antoine Daniel, je lui explique. Écoute. Mais genre, il a 137 abonnés. J'y bourre la gueule et il oublie tout. Voilà. T'as combien d'abonnés déjà? J'en sais rien. Bah, genre, tu dois. Non, 136 abonnés. C'est combien? 136 abonnés pour 136 vidéos. Ben 136, ça fait bon. Genre mamie, maman, papa, cousin Edouard, cousin Philippe. Je fais de la pub, je vais vous faire de la pub pour un jeu pour smartphone qui s'appelle Zigzag Poo. Alors c'est très amusant. Non, pas de pub. Pas Zigzag Poo, c'est un jeu qu'un pote à moi a fait et il est vraiment génial. Où en fait tu dois faire rouler une boule. Et c'est très amusant, très addictif. Je vous le conseille fortement pour les soirées entre amis. Voilà, on avait dit pas de pub. Et Zigzag, moi ça me dit quelque chose comme jeu. C'était la pub de Codap Corporation qui vous a été présentée par Sfarae Rockdog. Oui, oh, je sais, j'ai vraiment un nom imprononçable. C'est pratique. Ouais. Non, Sfarae, c'est. C'est genre les mecs qui font. Ah, moi je suis abonné à mec là. Oh mais moi je suis abonné à comment il s'appelle le gars d'ailleurs. Quoi? Comment il s'appelle qui? Je me suis fait frapper par une araignée. Aïe. En fait je suis suicidaire. Mais du coup cette vidéo est assez longue mais c'est drôle. Vous voulez savoir ce qui est réellement arrivé à l'Atlantide? Non. Eh bien, en fait, elle a été violemment frappée par ma.
Elle a été engloutie sous les mers. Ah putain. Malheureusement, c'est vrai. Ah oui. Bah pourquoi vous croyez vraiment que c'était faux? Bah pourquoi? Bah c'est drôle, pourquoi vous croyez que c'était faux? C'est vrai. Ouais, je ne sais pas. Eh vas-y, il y a une planète quoi. Comme ma référence. Non, on arrête les références, ok? On se calme. Et quelqu'un il a fait une planète entière, puis il a fait une maison dedans. Ouais. Au cap Helen. Ouais, le mec il est au calme, il est dans le turfu. Au turfu. C'est bon, on va en entendre parler pendant longtemps que ce mec il est dans le turfu. Il est encore plus dans le turfu que le groupe Tragédie que j'ai découvert. Tu sais, le mec pas du tout à la mode. Alors ce matin j'ai découvert un groupe qui s'appelle Tragédie, ouais. En fait, je sais pas pourquoi tout le monde se fout de la gueule de ce groupe parce que moi j'ai pas connu. Le turfu c'est trans. Viens de dans Dragon Ball. Ah, oh, c'était trop drôle. Non, mais faut que vous m'arrêtiez quand je deviens trop drôle hein, parce que. J'avoue. Après, je peux. Ouais, faire mais sauf que on va pas t'arrêter parce que t'es pas drôle du tout. Tu vois. Non, mais c'était ça la blague justement. Espèce de ruineur de blague. Mais c'était pas drôle non plus, donc on s'en fout. Ouais, mais le problème c'est que c'était encore moins drôle, tu vois. Donc bon. Encore moins drôle. En fait c'était juste une triste vérité, tu vois. Voilà. Je suis en train de me faire manger d'ailleurs. Les mollets. Ouais. Et du coup, voilà, j'espère que ce live. Cette vidéo commence à s'éterniser. Ouais, mais en fait, j'ai prévu de faire une vidéo longue pour faire mon manoir. Alors, ok. Mais voilà. Tu comptes terminer ton manoir en vidéo? Ouais, c'est ça. Putain. Donc voilà, épisode spécial. Non, il y a une Dragon Ball juste devant moi. Elle est dans. Elle est chez quelqu'un. On va chialer. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se mette en position position fœtale. Oh, non, en position latérale de sécurité. Oui, j'allais dire position latérale. Fœtale de sécurité. Ouais, enfin, ça dépend. Vous préférez quoi, position fœtale ou position latérale de sécurité? Position fœtale latérale de sécurité. D'accord. C'est alors. Oh, il y a quelqu'un, il y a des cactus. Donc voilà, c'est un petit épisode spécial, un petit peu long pour vous faire plaisir. Un petit peu beaucoup long. Ouais, mais bon, les abonnés, ils aiment bien les vidéos longues. Regarde, Guild Wars 2, ça fait du vu et tout ça. Mais voilà. Du coup, ferme ta gueule. Non. Sérieusement. Le mec, il est carrément schizophrène. Le mec, ouais, voilà. Le mec schizophrène, non, ferme ta gueule. Mais je n'ai. Non, ferme ta gueule. D'ailleurs, t'aurais essayé de débarrasser de Michel. Donc voilà. On a déjà la base de la maison et voilà. Je t'emmerde, petit squelette, ok? Tu sais que je t'emmerde. C'est qui ce petit squelette? C'est le squelette que je viens de tuer dans la vidéo là. Il a voulu dire Xoxo. Je passe dans une vidéo de Gentibo. Tout et tout. C'est trop cool, ma vie est réussie. Et je lui ai dit non, ta gueule. Ouais, non, mais les vidéos de Jean Thibault, il y a deux personnes qui les regardent, donc... Mais la ta vie gueule est comme ça. Mais ta gueule, ok? Merci. Le mec qui spamme de ta gueule, tu sais. Bonjour, je ouais, non, mais... Ça. Voilà, tu spammes. Ah! Je crois avoir compris ce que c'était, cette planète. Oui. Je crois que c'est la... Vous savez, la dans Star Wars. Ouais. Vous savez là, la grande machine en métal. L'étoile noire. Voilà. Et bah, il y a quelqu'un, je crois qu'il a fait. Il y a une grande étoile blanche et il y a des trous dedans. L'étoile noire, oui. Ben. Elle est très blanche. Passe un 7 homme là-bas, j'irai voir quand on aura du coup fini la construction. Non, je fais pas un 7 homme, hein, enfin, pas le steak. En fait, ici, il y a plein de balls un peu partout. Et puis, l'étoile noire est coupée en deux. Ouais. Du coup, comment ça se craft une mais non, mais moi je passe pas de cet homme là parce que mon homme est chez Caillou. Ah oui. Et c'est très très vérifiant d'aller chez Caillou. D'accord. Mais comment ça se trappe? Comment vous savez comment crafter une trappe? Bah, ah oui, voilà, comme ça.
Je ne sais pas crafter de trappe, bonjour. Non, je déconne. De crabe? Non, de trappe. Des spring traps. Oh, putain, c'est une porte sur le côté. Ouais, mais c'est bon, maintenant j'ai trouvé. Trop tard, Uzo, maintenant tu peux fermer ta gueule. Non, mais voilà quoi. Et du coup, voilà, petite vidéo bien longue, bien sapatounette. Où voilà, on crée le manoir. Et moi, je suis dans la version enfer, tu vois, je suis entré dans la Gatewell, du coup, j'ai le ciel en rouge. Ah oui, t'es entré dans le nether? Ouais. Vas-y, je me TPA à toi. Slash TPA. Tu vois, tu me dis si je joue le monde en normal. Attends, j'ai perdu mon modèle. Donc, slash TP accept. Au passage, tu vas voir mon bon manoir du swag. Ça, c'est un manoir? Oui, c'est un manoir. Maintenant, tu vas fermer ta gueule. C'est un beau manoir déjà. Oh, c'est un manoir de beau gosse, alors ta gueule. Ouais, bon, c'est un manoir de survie, ok, c'est pardonné, mais sinon c'est. Mais ça, il est fait en survie, alors tu vas fermer ta gueule, ok? Et tu vas me dire combien de gens font des manoirs en survival, voilà. Bah pas moi, parce que moi, j'adore les mines. Sans déconner. Dans une mine, c'est ma passion. Vous pouvez rejoindre mon blog minepassion.fr. Ouais. Ou GSP. Ouais, d'accord, merci pour la pub, mais on s'en bat les couilles en fait. Donc, alors, regarde comment on saute. Saute. Mais saute! Mais, tu es con, personnage Minecraft! Et voilà! Donc, c'est exactement ça! C'est bon! Tu sais comment sauter désormais! Bah, maintenant, tu referas ça! Bah, voilà! Et du coup, tu peux aller me chercher un petit peu de ça, Luzo, s'il te plaît. Et Ouais, merci, c'est très gentil. Genre le gars. Ah, mais non, mais ce n'est pas du langage raffiné. Vous voyez, moi, je suis un riche, je me fais un manoir, déjà. Donc, voilà. Lorsque j'ai SP, ça veut dire gros simple. Ah, ouais, d'accord. C'est un site qui existe réellement. Ça existe, grosse impatience. Ah oui, ça va exister forcément, vu le nombre de sites porno avec un nom chelou. Nous en avons compté avec Uzo. Nous en avons compté avec Uzo Raid ce matin. On était sur. Voilà, on s'est baladé. En vidéo, je te conseille juste de couper. Ouais, mais non, ils doivent voir toute la construction du manoir. Je ne sais pas, ça les fait pas chier. Donc, non. C'est chier, moi, je. C'était pas du tout un ouvrage de porte avec un. D'ailleurs, j'ai pas de Kamehameha. Bah, moi je l'ai eu. Et je peux te défoncer la gueule avec. Parce que c'est nul. Et aussi, on se fait une combat de balls. Ouais, mais là c'est l'épisode spécial construction de manoir donc. On s'en bat les steaks. Dans cet épisode spécial construction de manoir, il y a aussi le vaisseau. Ouais, mais non. On s'en bat les couilles parce que moi j'aime construire des manoirs. Ouais, non, mais je pense qu'elle va être beaucoup trop longue la machine. Hein. Tu vas pas réussir à le plot à part en 3 ans. Ouais, enfin, je ne sais pas. Tu vas la mettre en charge ce soir, tu vas la retrouver demain matin. Ouais, bah on coupera peut-être en plusieurs parties du coup, mais là on va déjà faire une première partie. Part 1, part 2. Partie 2, voilà. Épisode 3, épisode 4. Mais voilà, pour l'instant, j'ai prévu de faire une partie du manoir et un placement de produit. Ok, merci. Mais Uzo, tu pourrais me chercher du coup du verre, s'il te plaît. Du verre. Ouais, enfin du sable. Ah bah non, j'en ai là, je suis con, c'est vrai. T'as une pelle? À quoi ça sert? Oui. Non, je n'ai pas vu rentrer. Du coup. Ouais, d'accord, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ouais. Bon. Oh, il y a Evin Dalek. Ouais, Evin Dalek. Ah ouais, j'ai déjà vu des panneaux de lui, je crois que c'est un ennemi et tout ça. Ouais, mais je suis c'est sûr. C'est un Dalek. Ouais, c'est un Ouvian. Ah oui, c'est vrai que t'étais un Dalek à moi. Je suis sûr à 100% de. Je suis presque sûr de l'avoir déjà vu sur un autre serveur. Ouais. Evin Dalek. Ouais. Sur la porte. Sur Fortnite, t'es Dalek.
Comme c'était un serveur. Docteur Wu, voilà. Docteur Wu. Docteur Wu vient. Voilà. J'en sais rien, non. Enfin, oui, il est rentré à midi. D'accord, j'en sais rien. Tu peux me laisser oublier. Mais vous savez que je suis une fusion qui a raté. Ah, c'est pour ça que t'es. C'est pour ça que t'es con. Je suis un Dalek. Arcrosien. Ah oui, d'accord. Arcrosien. C'est bon. Même plus le droit d'avoir ton propre style. Je rigole, je te taquine. Oui, voilà, tu es taquiné. Tu es souvent taquiné, Utorite. Parce que tu es facilement taquinable. Tigre. Donc voilà. Trop de références. Mec, tu vas être bombardé de. Genre droit d'auteur. Non, je vais être bombardé de. Oh, j'ai reconnu la référence, tu vois. Genre, tu vas. Les gens, ils vont arriver, ils vont te manger. Ouais. Les mollets. Ah oui. Tu vas être obligé de te vendre toi-même pour. Ah non, c'est dégueulasse que je viens de dire. Non, c'est dégueu. C'est dégueu, mec. C'est horrible. En fait, non, je pensais pas vraiment à ça, mais en fait. Oubliez ce que je viens de dire. Ouais, on va totalement oublier. J'avais aucune mauvaise intention. Ouais, malheureusement, tes mauvaises intentions. Et d'ailleurs, sont Farai, est-ce que c'est un serveur ou pas? Non, Farai, c'est un enfoiré qui nous a quittés. D'accord. Ouais. Et. Putain, je me suis envolé. Oh. En plus, tu nous quittes dans la vidéo. Oh là là. Genre la présence invisible. Yes. Oh, et Vindalek, il parle avec qui? Il parle avec Firebrae. Il est pote avec Firebrae, du coup. Waouh, belle conclusion. Oh, Eh oh, tu fais pas chier mon manoir, ok? Pas besoin de le faire chier, il est gâché. Donc. Du coup, voilà, pour l'instant, ça m'appartient. Voilà. Et d'ailleurs, faut que je mette un private. Ah, mais oui, c'est vrai que Quentin. Ouais, merde. Ouais, Quentin, lui, il fait ses propres privates, putain. Mais ouais, il lui dit ça, c'est pour ça qu'on doit se dépêcher de le finir. Quentin, il fait un boss sans moi parce que je parle plus fort. Mais voilà, quoi. Quentin, c'est un ouf. Hein. Si vous croisez Quentin, les gens, un jour, si vous faites partie de la faction, un jour. Vous verrez que Quentin, c'est un ouf. Si vous le croisez. Ouais, Mordeli est mollet si vous le croisez. Mais c'est dingue, on lance. Mais j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi on parle de mollet. Hein. Alors... J'ai fini par me donner faim. Oh putain, t'es devenu cannibale en fait. C'est vrai, le mec. Spy est un cannibale, c'est officiel. Mais non, mais il est tard et c'est pas forcément des mollets humains. Ça que je vois. Ouais. Non, et voilà, Spy, tu vas te faire manger les mollets si tu fais cette préférence. Hey, je sais ce que t'es en train de siffler, Spy, ok? C'est une référence encore. Oui, encore une référence, mais comme c'est sifflé. On a qu'à dire que ça compte pas, genre. Ouais, genre. Ouais. Oh putain, ça, la Nintendo va t'attaquer en justice, j'en suis. Ouais, mais je vous c'est vendrai vous, hein. Fait, donc, Moi, je me vends pas moi, hein, excusez, je vous vends vous. Hein. Je dis à Nintendo, excusez-moi, j'ai des pubs de doute du nom de Sarae et de. Et de Usorate, je peux vous les vendre, hein, si vous voulez. Ah ouais, et voilà, comme ça, j'aurais payé tous mes droits d'auteur. Tu sais, le mec qui vend ses potes pour avoir... Par contre, la vidéo, elle dure pas depuis un petit peu trop longtemps, maintenant. Ben, si, un petit peu, mais... Ouais, non, mais il y a eu des grosses ellipses, donc on peut pas réellement savoir. Voilà, déjà... Oui, mais là, on parle quand même depuis une heure. Oui. Non, beaucoup plus qu'une heure. Alors, oui, mais là, je fais un assez long épisode pour faire une première partie de mon manoir, tu vois. On parle depuis presque 2 heures et moi, je suis arrivé à un moment où vous aviez déjà commencé, donc... Il va être joke.
Ouais mais c'est pareil, je j'ai sais. J'ai pas vu l'écriture du ninja de Private Joke. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sans cette écriture du ninja? Bah oui, heureusement que je suis là pour bien orthographier les mots, sinon vous feriez des fautes partout. Oui, bien sûr. Par contre, tu te calmes. Et tu te calmes, Jean-Paul. Ah, j'ai cru que t'allais dire une référence. J'ai cru que t'allais faire une référence. Hey, tu te calmes? Tu te calmes pas? Tu te calmes? Oh merde, c'est moi qui l'ai fait. Quoi? Tu te calmes, Denis? On l'a dit. Non, c'est quoi cette référence de merde? Je connais même pas. Tu connais pas le Whoop? Absolument pas. Mais putain, tu connais pas le Whoop? C'est qui le Whoop? C'est dans les Total Explosions. On va dire. Ouais, voilà. Mais, ouais, c'est dans les Total Space, le groupe. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, c'est pas là-dedans. C'est un groupe de jeunes qui font des vidéos sympathiques. Mister V. Ah. Tu connais? Hugo ouais, Tuchel. Mister V, tu connais? Welcome to the World. Tu connais? Mike Kenny. Tu connais? Jérémy Detlo. Tu connais? Bon, on a cité tous les noms. On n'a pas oublié un. J'aime bien d'ailleurs. Beaucoup, hein. La notice. Tromper sa meuf. Ah putain. Il y avait un truc qui me faisait rire dans Tromper sa meuf, je sais plus ce que c'est. Ben par contre, je vais quitter cette vidéo parce que je vais boostifier, comme on dit dans le marché de l'Occardio. Et ben, à plus. Oui, du coup, à plus. Et nous, oui, on va bientôt justement s'arrêter. Et tchuss les abonnés de Jean Thibault qui s'élèvent à deux. Ouais. Vous êtes toujours là, Uzo? Donc, je fais une petite ellipse. Donc, ouais, du coup, on a fait une ellipse, on a récupéré Uzo. Donc, alors. Aïe! J'ai entendu des rires derrière. T'es en train de regarder un spectacle d'humour. Non, c'est mes parents qui rigolent, t'as des malades mentaux. Et ça, c'est mon portable qui a besoin de batterie. D'accord. Nous entendons donc en direct à quoi ressemble le portage des oreilles quand il n'a plus de batterie. Ah non, c'est Hugo qui m'a envoyé une photo. Hugo tout seul? À peu près. Genre, Hugo tout seul, il te parle. Non, c'est pas lui. Ok. Par contre, si tu regardes cette vidéo, sache que va bien crever et je vais te manger les mollets. Voilà. Non, il l'a pas envoyé spécialement à moi, c'est Facebook. Il a voulu envoyer un message à ta petite soeur, il a dit salut, je te baisse quand. Ah putain, je suis le plus gros salaud de la Terre. Sauf que j'ai qu'un grand frère, j'ai pas de petite soeur. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas fonctionné. J'aurais été un salopard si t'avais une soeur. D'ailleurs, Udio, c'est quand tu baisais ta soeur? Étant donné que j'en ai pas, ça risque d'être assez dur. Mais enfin bon. Du coup, j'ai avancé. Rêve coup, de mondanité. J'ai donc avancé et je vais faire une dernière partie de la façade et après je serai en haut. Donc je joue depuis avant en plein écran et non en plein écran. C'est pour ça que vous avez des fois des phases où je me pose. Et voilà, du coup, normalement. Ah, t'es en train de regarder avec un modèle? Ouais, je suis en train de regarder avec un modèle. C'est le modèle de qui? Le moldu. Je t'enverrai. Je crois que c'est arrêt d'écoute Frigiel du coup. Vas-y, faudra que tu m'envoies le craft du style. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai la page des crafts ouvert justement. Donc voilà, on va avoir le meilleur de arrêt d'écoute de Frigiel. Hein. Parce que c'est style. Hein. Parce que c'est stylé, son noir. Non, par contre, tu te calmes. Voilà, trop de plagiat Frigiel sur ma chaîne. Je suis Eric Antoine. Oh ah bon? Mais... Eric Antoine, c'est le magicien, là. Hein? Eric Antoine, c'est le magicien. Ouais, il est trop bien. Il est excellent. Il est obèse. Il pèse dans le game. Non, par contre, il est beaucoup trop gras. il arrive dans le jeu, il fait direct 4 mètres. Enfin, il fait 4 blocs alors qu'il est en enfant. Non, mais je te jure, c'est un truc de malade. C'est Bruno, en fait. Non, parce que... Merde, trop de référence. c'est une blague. Si tu regardes cette vidéo, viens me manger les mollets. Te faire part. Ouais, tu as le droit de nous manger les mollets, Bruno.
Sauf que Bruno, s'il nous mange les mollets, ah, je te le dis pas. Il va carrément nous manger tout. Non, en fait, Bruno, j'ai besoin de mes mollets, donc mange ses mollets à lui plutôt. Voilà. Vas-y, fais-toi plaise. Ouais, vas-y, fais-toi plaise, bouffe ses mollets. En plus, ils sont bien. Ouais, voilà. Ça musclé. Ceci était une blague, si vous voyez mes mollets, je n'aurais pas grand-chose à manger. Ouais, parce que en fait, Uzo, c'est un petit gringalet, comme on sait. Ouais, t'as tout compris, je suis petit et gringalet. T'as tout compris. Ah, putain. Non, mais c'est vrai. Tu pourras demander à Monsieur Quentin 2014. À Uxida. Et donc, bien sûr, à... bah voilà. Deux. À Robin. Quatre. Parce que je l'ai déjà vu. Oui, et Robin aussi, c'est un gringalet. Bon, à peu près. Ouais, je l'ai déjà vu en cam. C'est pas non plus le mec bien musclé, hein. Ni le gringalet. Ouais, bah voilà. Bah on est tous des gringalets, écoutez. Non. Écoutez, mais... on regarde. Désolé, mais Robin n'est pas un gringalet, hein. Ouais, enfin, j'ai déjà vu en cam et bof, il est pas non plus trop, tu vois, c'est pas non plus un gros tas de muscles bien viril. Non, je sais pas, c'est pas le genre de mec que t'as pas envie de vexer, tu vois. C'est pas Bob Sap. C'est pas musclore. Si quelqu'un connaît Bob Sap, c'est un joueur de MMA qui n'est pas MMA, mais un sport de combat. Alors, le bobsleigh. Non, ça c'est un sport de combat. Le bobsleigh. Le bobsleigh, non, c'est de la luge. Non, mec, tu verras ce que c'est les différences du bobsleigh et de la luge. De la luge, tu te fais chier dessus. Le bobsleigh, tu vomis. Ah putain. Et si tu fais les deux en même temps, tu sors tout par les deux extrémités. C'était dégueulasse. La luge, tu te fais chier. C'était dégueulasse. Nous sommes vraiment tous gênés par ta blague, Uzo. Donc voilà. Je te baise. Et ça, t'es gêné ou pas? Viens. Viens. Du coup, voilà, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est sur la maison. Hein. Putain, ça va être lourd en rendu. Luptod, je pense que je vais pas trop prendre cher non plus. Parce que j'ai survécu à un épisode de Guild Wars. Un épisode de Guild Wars, une heure. Ouais. Je le rappelle. Ah, il y a Pimix. Et en fait, c'est que toi aussi, tu habites à la campagne avec comme moi. Non, je n'habite pas quand même. Ouais, bah voilà, c'est bon. ouais. Xday a essayé d'upload une vidéo de 20 minutes, ça a pas marché. Il y a les campagnards, il y a les corses. Aucun résultat. Upload. De 20 minutes, normal et tout. Enfin, c'est pas énorme, hein. D'habitude, les gens font des une demi-heure ou des 20 minutes. La youtubeuse avec la plus mauvaise coach que je connais, mais je crois qu'elle a amélioré sa cause, c'est Diamond Zaza quand même. Mais je crois que Diamond Zaza, maintenant, elle a la fibre et tout. Ah, oh, ça, j'ai envie de la manger. Oui. Bah, Diamond Zaza, si tu nous entends, dédicace à toi d'ailleurs, elle réaménage un petit peu sa chaîne de vue. Enfin, elle va bientôt commencer à bosser sur son LinkedIn, moi. Bon, voilà, parce que comme vous le savez, je suis un petit peu tous mes potes youtubeurs. Quoique, Tanksbug, je suis pas. Mais ça marche pas! Enfin, je vois quand ces vidéos sortent et en ce moment, quand on sort beaucoup de vidéos ensemble, je suis un petit peu. Mais après, en dehors de ça, les PVP sur LoL et tout ça, je suis pas trop, mais j'aime bien discuter avec lui, donc voilà. Y a qui je suis des fois comme youtubeur? Je sais pas. Comme youtubeur, pas à moi. Zaypix, non, je suis pas trop lui. Zaypix, d'ailleurs, si tu entends cette vidéo, on doit se tourner Crafter Isolation. Ouais. Donc voilà. Crafter Isolation 3, hein. Je pense ce soir on se tournera. Enfin, voilà. De toute façon, on l'aura déjà tourné on l'aura peut-être déjà tourné alors cette vidéo sera mise en ligne. Au départ, voilà. On devait faire une aventure sur Minecraft PE tablette avec Monsieur Exida et son Mobizen ne marche pas. Ah oui, d'accord. Le Mobizen, c'est le logiciel qui sert avec la tablette pour filmer. D'ailleurs, le mien n'a jamais marché. Le sien a marché, mais plus maintenant. Ça donne envie de pleurer, non? Oui. On va tous pleurer. Écoute.
En tant que commémoration. Ouais, on va se mettre en position fœtale. Ah non, mais ça par contre, j'ai pas besoin de ça pour mettre en position fœtale, hein. C'est ma position habituelle. Mais oui, on sait tous que t'es une grosse victime, donc voilà. Je te baise. Non. J'ai branché mon micro, tu me dis si c'est mieux. Tu n'as aucune autorité, ok? Est-ce que c'est mieux? Je ne sens pas la différence, mais de toute façon, il n'y avait pas de grésillement. Est-ce que c'est mieux? Mais je sens pas de différence. Ouais, non, mais c'est qu'en fait, j'avais mal chargé, mal branché. Ah. Je ne sens pas de différence, mais on va dire que c'est mieux, voilà. Tu t'entendras sur la vidéo, écoute. Et là? T'entends mieux? Non, mais... De toute façon, on t'entend très bien, mec, et t'as pas besoin de te faire entendre mieux. Et... Ouais, non, mais c'est que j'ai un micro fait pour... c'est horrible parce que j'entends le son dans mes oreilles, mais... Mais toi, tu l'entends pas, donc j'éteins cette merde. Ouais. Enfin, j'entends dans mes oreilles, mais toi, ça change rien. Puis ça me met un peu en passage, ça super. Ouais, moi, je l'entends pas, du coup, je me bats les couilles, mais toi, c'est gênant pour toi. Voilà, donc je vais arrêter ça. Et si ça se trouve, c'était peut-être toi qui grésillais tout ailleurs. Oh mon dieu! Non, c'était pas moi. Tu veux virer cette série? Ce n'est pas moi, j'ai un ordinateur portable qui a un micro intégré assez bien. Ouais. Par contre, si on fait ça. Ah non. Là, t'es viré. Je suis désolé. Et si on fait ça? Non, t'es pas viré. Ça a pas fait de bruit, t'es pas viré. Putain, c'est dégueulasse. Putain, mais je vais chercher quelque chose qui marche. Putain, je crois que t'as fait des bruits de masturbation là, non? C'est de la masturbation, ça, non? Non, c'est un cri de protection. Ok. Je me suis dit, putain, il se masturbe. Il est dégueulasse. En vidéo, mon gars. Ça aussi, ça, c'est des bruits de. Ouais, si YouTube est témoin de ta masturbation, désolé. Eh, écoute. Bon, remarque, moi je m'assure bien quand tu fais des bruits d'imprimante, mais pas de bruit d'imprimante en vidéo parce que voilà, les gens. Con, il va faire des bruits d'imprimante en vidéo, tu sais. Tu sais, t'es dans une vidéo normale, puis d'un coup t'entends. Du coup, privé. Ça, c'est un coffre privé, du coup, je mange le matos, ça. Bonjour, celui qui a essayé de m'assassiner. Je crois que c'était Pibix. Ah ouais, il y a Pibix là-bas. Oui, du coup, les gens, est-ce que nous avons un petit peu tout fait? Non. Clap. Ouais. Du coup, nous allons. Je pense qu'il faudrait que tu arrêtes la vidéo et que tu fasses une deuxième partie ou un truc dans le genre. Ouais, mais c'est ce que je ferai la deuxième partie, mais là je vais un petit peu finir dernière partie du bâtiment et. Pibix qui essaie de me tuer! C'est un enculé! Il va crever! Wow. Ah, ils ont passé tous les coffres? J'en sais rien! Il y a un coffre qui est laissé ouvert. Ah. J'en sais rien. Parce que... Moi je vais. Et ils ont laissé la porte ouverte plus le coffre du coup qui est ouvrable. En gros, quelqu'un passe, il peut tout prendre. Ouais. Mais bon, ils ont seulement. Mais c'est les Anglais, hein, ils sont quoi? Voilà. Mais c'est pas des Anglais, c'est Clicheur et Ruffy. Merde. C'est des Anglais, ils sont cons. Ouais, ben Clicheur et Ruffy, c'est des Anglais. Vous avez jamais vu leurs accents anglais bizarres là? Sauf que Clicheur habite à Sarou, c'est-à-dire juste à côté de chez moi. Ouais, mais on s'en fout, c'est un anglais. Ouais. sa mère est une anglaise, voilà. Non. Il est né aux États-Unis, voilà. Non plus qu'à ça. Il est né à l'hôpital de Waverly Sanatorium. Non, à Ussel. Ouais, bon, c'est l'endroit le plus hanté du monde et c'est l'endroit où il s'est passé le premier The Ghost in Minecraft, mais c'est pas grave. Ussel? Et au passage, copyright de JS. Hein. Salut! Pimix, c'est un créateur de la vidéo, bonjour. C'est un créateur, c'est certainement dans une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Et je dois vous avouer un truc, je vous ai écouté pendant 10 minutes. Ah. Ah, vas-y, Sfaré a fait pile la même chose pour la définition. Ça veut dire que t'as. Vas-y, t'es pas du tout original, tu peux. Genre le mec, il nous écoute quand. C'était ta punition.
Je en fait vous écouter depuis 10 minutes en fait. Tu l'as déjà dit 3 fois lui. Mais tu l'as pas déjà dit ça. Il l'a déjà dit mais je répète encore et encore et encore parce que vous êtes tellement bête que vous savez même pas. Ouais mais non, ta gueule. Je te baise. On te baise, voilà. Je suis et je te mange les mollets. Je suis Mind Slide et je te baise. Mollet, il est blindé. Bonjour, je suis Mind Slide. Je te mange le mulet je alors. Te baise. Sauf que Mind Slide en fait il baise personne. Oh merde, bah, essaye le jour et il imposera le respect. Voilà. J'aime manger des gens. Bonjour. Et bonjour, je vois juste au-dessus de toi, Jean-François. Il s'appelle Jean-Pierre Coff. Regarde, Jean-François, je vole. Jean-François allez, s'en bat les couilles. Oh, c'est quoi ça? Tu arrêtes de déranger la construction de manoir. c'est pas lui. C'est ton garde du corps. Eh, le garde du corps, t'arrêtes de me faire chier pour la construction du manoir. Vas-y, où est-ce que t'es? Ouais, et du coup. Ouais. Et du coup, nous allons mettre un terme à cette vidéo extra. Tu sais que ça coûte cher la peau de koala, hein? Très nerveux. Ah, putain. Ouais, et du coup, est-ce que je suis toujours en enfer là? Ça en dépend le ciel. J'ai regardé, mais je vais mettre un terme en tout cas à cette vidéo, donc si ça vous a plu, du coup, laissez un like. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, et nous, on se retrouvera du coup, pour de nouvelles vidéos pour continuer le manoir. Et sur ce, je vous dis à plus, bye bye.